Un rêve gastronomique, c'est toujours avouable, hein, un rêve gastronomique. Et... Si je devais parler juste d'un de mes rêves les plus fous concernant mon métier, ce serait certainement de le pratiquer dans la rue, de bannir en quelque sorte ce lieu de restaurant et en avoir un beaucoup plus gigantesque, la rue. Oui, mon rêve gastronomique, ça serait un repas avec des milliers de personnes. En pleine nature. Mon rêve gastronomique le plus fou, ce serait de déguster la blanquette de veau de ma mère dans le Space Mountain. Voilà, ce serait pas mal. Mon rêve gastronomique le plus fou serait de retrouver le goût du risotto de ma grand-mère qui mettait 4 jours en bonne grand-mère italienne à préparer son risotto. Moi, un de mes rêves gastronomiques, c'est un rêve assez modeste, hein, c'est de manger un super bon hot dog à New York. C'est pas très original, c'est assez snob, mais c'est vraiment un de mes rêves. Alors bah, un rêve fou, ce serait de manger sur un grand lit flottant, je sais pas, sur une grande rivière, avec un grand lit géant et où on mange en amoureux, des mets succulents et délicieux. Mon rêve gastronomique le plus fou, ce serait de manger dans une montgolfière. Je sais pas si c'est possible, mais... Alors mon rêve, ce serait de manger dans une forêt, vraiment en plein milieu d'une forêt, avec plein de petites bougies, et que vraiment les tables soient vraiment très espacées, qu'on voit presque pas les autres invités. Ce serait bien de déguster du homard au foie gras sur une plage déserte, sur une île au milieu de l'océan, à regarder un coucher de soleil. Mon rêve le plus fou, ce serait que La Fourchette m'installe une table au sommet de l'Arc de Triomphe et qu'on puisse avoir un repas en soir d'été. Mon rêve gastronomique, c'est que tous les restaurants soient réservables en ligne. C'est pour moi l'évidence même, c'est le désir absolu. Alors je sais pas si c'est vraiment gastronomique, mais j'ai un rêve un peu fou. Il y a un restaurant dans lequel on pourrait tout manger, les verres, les assiettes et la fourchette aussi d'ailleurs. Mon rêve gastronomique le plus fou, ça serait d'installer un restaurant dans les locaux de lafourchette.com. Je pourrais surtout surveiller toute cette petite équipe parce que j'ai l'impression qu'à un moment ça bosse pas tant que ça en fait. Faut le couper ça. Ha ha ha.